Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qui était extrêmement complet et extrêmement riche et qui nous amène toute une série d'informations nouvelles, notamment sur ce que nos voisins européens font, chose que je n'avais pas eu pour l'instant l'occasion de voir. Je suis ravi de vous avoir ici parce que vous êtes un peu la clé de voûte de toute cette discussion qui regroupe un peu comme une pieuvre ou qui regroupe une pieuvre tous les différents ministères et tous les différents ministères qui reviennent vers vous. Donc c'est vous qui avez le point de vue central de toute la question. Et je, oui, pieuvre bienveillante, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire au sens sympathique du terme. Donc je suis ravi de vous avoir parce que c'est vraiment vous qui êtes la tour de contrôle, si je puis dire, de tout le dispositif. Et du coup, j'ai un certain nombre de questions, par contre, relatifs à différentes étapes. Vous avez dit que les ordonnances, si j'ai bien compris, quand le président vous a demandé sur quels étaient quel était l'état de rédaction et quel était le temps dans lequel le gouvernement envisageait dans les ordonnances, vous avez dit en gros 3 mois, un peu plus, d'ici mars. En l'occurrence, le texte prévoit un temps nettement plus long. Je voudrais juste savoir si vous pouvez nous expliquer pourquoi le texte prévoit en ce cas-là, un temps nettement plus long que celui que vous avez indiqué dans votre intervention. C'est juste une question pratique pour commencer. J'ai une question sur... au fur et à mesure de mes auditions, puisque j'ai auditionné maintenant le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministre, en tant que rapporteur pour l'ensemble des collègues, aussi le ministère de l'Intérieur, etc., il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est qu'il y a 2 décisions fondamentales. Il y a d'abord une décision de philosophie qui est de volonté politique sur ce qu'on veut faire. Il y a ensuite une décision de mise en œuvre et de la façon dont on met en œuvre les différentes mesures pour arriver à ses fins. Et il se trouve que selon la façon dont on met en œuvre, on a l'opportunité assez facile de changer la philosophie. Poursuivre mon propos, si le Brexit se passe dans les conditions dures qui sont prévues à l'article 1 ou 2, l'administration va être confrontée à un défi d'une taille considérable. Et si les moyens qui sont mis à disposition de cette administration ne sont pas à la hauteur, ça revient plus ou moins, en fait, à ne pas avoir pris les décisions originelles ou à ne pas respecter le sens originel des décisions. Et du coup, la question qui me revient le plus, c'est est-ce qu'on est prêt et est-ce que, dans ce cadre-là, on est prêt à traiter le nombre de dossiers qui pourraient arriver en ce qui concerne les citoyens français au Royaume-Uni, les citoyens britanniques ici, au port. Est-ce qu'on est prêt à véritablement contrôler de façon efficace un pays, un État tiers, en dehors du marché commun, en termes de contrôle phytosanitaire, de contrôle sanitaire, et ainsi de suite? C'est vraiment ces questions qui me travaillent. Vous avez parlé de conditions de réciprocité en ce qui concerne les citoyens. Je remarque... que cette approche qui est celle que le gouvernement tient pour l'instant n'est pas celle que les associations qui représentent les citoyens des deux côtés de la Manche privilégient. Pas plus que celle des élus nationaux ou qui représentent les citoyens ou des élus locaux, les conseillers consulaires. Je me pose la question de savoir si c'est véritablement la logique qui devrait conduire à définir comment on traite les gens sur notre territoire. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre dans cette notion de réciprocité, un exemple très concret, c'est si le Royaume-Uni, il s'avère qu'à l'avenir, et il n'y a aucune déclaration qui suggère ça pour l'instant, mais il s'avère à l'avenir que le Royaume-Uni prend des mesures qui dégradent, dans une certaine mesure, le sort de nos citoyens en France. Au Royaume-Uni, pardon. Le sort de nos citoyens français au Royaume-Uni. Est-ce que la réaction, du coup, immédiate de ce gouvernement, c'est de dégrader la situation des citoyens britanniques ici comme un espèce de jeu de ping-pong qui conduirait finalement à l'amoindrissement collectif des droits des citoyens des deux côtés de la Manche? Il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas moi j'ai du mal à voir aujourd'hui cette logique mise en place dans des relations bilatérales qu'on a avec d'autres pays tiers. La condition qui doit être la seule condition sur laquelle on examine le droit de certains citoyens de rester, ça devrait être l'intérêt de notre État immédiat. On peut avoir, par exemple, des règles différentes en termes de visa avec certains pays. On n'a pas une symétrie parfaite. Cela dit, si j'étends le principe de réciprocité que le gouvernement privilégie pour l'instant, il me semble, s'ajoute une deuxième complexité. Est-ce que la réciprocité joue dans les deux sens?
savoir si le Royaume-Uni, qui pour l'instant, si j'ai bien compris ou saisi ce que le Royaume-Uni veut faire, veut mettre en place une procédure très très dérogatoire pour que les citoyens européens puissent s'enregistrer de façon très efficace, très facile, très simplifiée, à leur droit de résidence permanente au Royaume-Uni. Alors c'est une intention, je suis d'accord, ce n'est pas converti dans les actes et ainsi de suite. Mais si jamais le Royaume-Uni met en place cette structure, est-ce que en utilisant le principe de réciprocité, on se contraint nous-mêmes à mettre en place une structure nettement dérogatoire par rapport à notre propre droit, centralisée et ainsi de suite, qui respecte les mêmes conditions. Puisqu'il me paraît que si on suit la logique de réciprocité jusqu'au bout, il me paraît logique que nos partenaires puissent l'avoir dans le sens inverse. Et une des questions qui me travaille dans ce contexte, c'est que je me rends compte que si jamais on ne suit pas de procédure particulière, pour traiter en l'occurrence des citoyens britanniques ou pour traiter des citoyens français qui reviennent ici, il va avoir un poids considérable qui va tomber par exemple sur les préfectures et sur certaines préfectures particulièrement et certaines préfectures qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas forcément le miroir des préfectures dans lesquelles on a le plus de capacité puisque la population britannique ne recoupe pas forcément la population d'activité économique et d'activité de densité de population qu'on a ici. Ce sont des procédures qui vont être quasiment uniformes à travers le territoire, arrive la question de savoir si est-ce que cette procédure devrait être centralisée. Et j'aimerais savoir si le gouvernement s'est posé cette question et pourquoi, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'il s'éloigne de cette idée de centraliser une procédure à niveau national plutôt que de la garder dans le cadre existant. Sur la question du statut des fonctionnaires que vous avez évoqué, vous avez, au début de votre intervention, noté qu'on essaye, dans ce projet de loi, et dans lui, c'est une très bonne idée, de garder toute philosophie de l'accord de retrait que les institutions ont fait, ou en tout cas des prérogatives ou des décisions que la Commission a fait. Je remarque néanmoins que les institutions européennes ont pris la décision, de façon unilatérale, de privilégier et de protéger le droit des fonctionnaires britanniques au sein de la fonction publique européenne. Je remarque qu'on a aujourd'hui, comme vous savez, l'examen du texte demain, donc on a une idée de ce que les différents groupes, que chaque groupe a émis de grandes réserves sur cette question-là, à travers l'Assemblée, à l'unanimité, hein, si je me souviens bien, je crois que littéralement chaque groupe parlementaire de l'Assemblée l'a fait. Et les conversations que j'ai eues, que j'ai pu avoir avec les partenaires que vous mentionnez, les Danois notamment, mais aussi les Suédois, aussi les Allemands, laissent à penser que le chemin pris par la Commission européenne est celui privilégié par quasiment, enfin, en tout cas l'ensemble des pays qui me semblent se dessiner vers ce genre de décision. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on prendrait un chemin qui est différent de celui-là? Je pense que tous les collègues de la Commission sont très intéressés. Sur la préparation aux frontières, on a auditionné hier, comme le président l'a mentionné, le ministre de l'Agriculture, notamment sur la préparation au contrôle phytosanitaire et sanitaire. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une idée de la dimension du problème que nous allons avoir le 30 mars s'il n'y a pas de deal? Alors là, le 3 c'est un peu plus compliqué parce qu'il est ouvert aux deux, enfin, au no deal et au deal, mais si jamais il n'y a pas de deal, quelle est la dimension des contrôles sanitaires et phytosanitaires? Est-ce qu'il y a un objectif juridique de contrôle de nombre de camions qui passent le tunnel sous la Manche qu'on devra contrôler au sanitaire et en phytosanitaire au 1er avril? Et auquel cas, on avait cette question hier des 7 douaniers. La question des 7 douaniers et des 40 vétérinaires, c'est s'il faut plusieurs vétérinaires pour occuper un poste de contrôle au long, enfin sur une journée entière, sur une journée pleine, puisque 40 ETP sont probablement pas 40 postes de contrôle, mais un nombre nettement réduit. En l'occurrence, pour les douanes, si j'ai bien compris, c'est 1 pour 7. Il faut 7 douaniers pour occuper un poste de douane. Combien de points de contrôle ça nous prend en supplémentaire? Et dans la perspective d'un flux inchangé, quelle serait l'incidence en termes de blocage éventuel, de problèmes problématiques, et ainsi de suite. Dernière question, qui a travaillé le président de la Commission, je le sais, et qui me travaille également, parce qu'on a une double casquette, on est aussi membre de la Commission des Finances. Je suis surpris qu'il n'y ait pas une réflexion plus profonde qui a été faite sur l'incidence budgétaire potentielle des différentes sorties du Royaume-Uni. Alors, il y a une réflexion qui est faite au sein des ministères pour combien coûtent les 40 ETP qu'on met en plus ou les 700 douaniers qu'on fait en plus. Mais je pense que le président et moi, quand on a auditionné le ministre de l'Action publique, nous posons la question de savoir pourquoi dans ce budget, il n'y a aucune réflexion qui se porte sur quel pourrait être le coût
à la fois en termes de baisse de recettes potentiellement et à la fois en termes de soutien, encore une fois comme un peu dans le programme irlandais que vous avez mentionné, sachant que par exemple les Irlandais pour le coup ont fait plusieurs analyses en fonction de hard Brexit, soft Brexit, moyen Brexit et ainsi de suite, que les Britanniques évidemment en ont fait. Et du coup, je me pose vraiment la question de savoir s'il y a une réflexion un peu plus approfondie qui a été faite sur l'incidence budgétaire. Je note d'autant plus qu'en cas de non-deal absolu, l'accord de décembre sur la contribution européenne tombe à l'eau. Et du coup, se pose également la question de, mécaniquement, s'il n'y a pas d'accord, etc., qu'est-ce qui se passe avec notre contribution, notre PSR, notre prélèvement sur recettes, qui a été voté pour l'année 2019, mais qui se retrouve, qui se retrouve au milieu, à trois mois dans l'année 2019, insuffisant par rapport à la charge budgétaire des institutions européennes. Merci beaucoup. Je ne pense pas, monsieur le rapporteur, que vous suggériez que on donne au gouvernement la possibilité de créer un impôt nouveau par ordonnance. Je ne pense pas que ce serait tout à fait dans l'humeur du temps. Madame la secrétaire générale, peut-être vous pouvez répondre au rapporteur, ou ce qui est l'usage. Ensuite, les membres de la commission vous poseront des questions, ou si vous préférez répondre à tous, c'est selon. Mais je crois que le rapporteur vous a posé beaucoup de questions, et ça serait très précieux pour nous d'avoir vos réponses. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le rapporteur, pour vos questions. Sur le délai des ordonnances, elles sont toutes en cours de préparation. Ceci étant, on attend quand même que vous votiez le projet de loi. Voilà, donc on a j'imagine votre impatience d'en découvrir la teneur, mais on ne peut pas aller quand même plus vite que la musique, mais on essaie d'aller vite quand même. En tout cas, l'orchestre est en place et je dois d'ailleurs faire une réunion jeudi avec toutes les administrations pour un petit peu commencer à relever les copies. Leur nombre exact n'est pas encore arrêté. Donc je ne peux pas vous dire, il y en aura 12, il y en aura 45, il y en aura 52. En tout cas, il y en aura plusieurs, c'est clair. Il y en aura forcément une sur le droit des citoyens. Et l'ordre que j'indique est sans doute n'est pas un ordre, je dirais, lié au caractère important ou prioritaire. Je vous dirai peut-être après ce que j'en pense par rapport à la priorité. Le droit des citoyens devra faire l'objet évidemment d'une ordonnance qui sera assez précise sur la question du séjour, de l'emploi, des droits sociaux. Il y en aura certainement une sur les questions économiques et financières. Il y en aura une sur les contrôles aux frontières et sur les transports. Il y en aura une sur les mesures qui concernent l'article 3, c'est-à-dire toutes les autorisations pour permettre la création, l'installation, les installations à réaliser d'urgence, qui de toute façon vont devoir être mises en place, qu'il y ait accord ou pas accord, parce qu'il y aura de toute façon, j'allais dire un peu mécanique, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus de contrôle effectué aux frontières. On ne sait pas encore mesurer clairement l'intensité de ces contrôles et leur nature, parce que tout ça dépendra de la question de savoir si nous sommes dans un régime, je dirais, dans le cadre d'un accord de libre-échange qui permet un certain nombre de choses et donc qui autorise plus ou moins de contrôle, ou dans une union douanière, ou dans l'union douanière telle qu'elle est définie au titre du backstop, par exemple. Donc là, on est dans un monde où la boule de cristal elle-même ne sait pas. Mais en tout cas, il faudra pouvoir commencer à créer des installations ou prévoir des équipements, ne serait-ce que pour faire dans les ports, les aéroports, peut-être là où ça n'existe pas, des lignes spécifiques pour les marchandises qui arrivent. Par exemple, nous sommes allés récemment, le Premier ministre est allé récemment avec plusieurs ministres visiter les installations du port de Dunkerque. C'est un port qui aujourd'hui ne travaille exclusivement qu'avec le Royaume-Uni.
Donc dans un monde, je dirais, où les contrôles sont très faibles, puisque les contrôles ne portent que sur des marchandises de pays tiers qui arrivent du Royaume-Uni en France et qui ont déjà été normalement contrôlées par les Britanniques. Et ces contrôles sont très aléatoires et ne portent que, évidemment, sur des éléments liés à la lutte contre la fraude dans le cadre de renseignements douaniers communiqués entre les douaniers britanniques et les douaniers français. Bref, il y a des installations qui permettent des contrôles de camions, et on les a vus et visités, elles existent. Il y a des installations qui permettent des contrôles SPS, mais elles sont très réduites par définition. Là, dans ce type d'installation portuaire comme à Dunkerque, où il y a en plus toute la place nécessaire, il faudra les multiplier, ces installations. Alors, les multiplier par 2, par 3, par 4. Mais en tout cas, il faut commencer ces travaux. Il y a des ports ou des aéroports où il y a déjà des lignes, si je puis dire, pour permettre, je dirais, des files d'attente pour des marchandises ou des personnes qui viennent de pays tiers. Donc, j'allais dire, les lignes existent. Il faut peut-être parfois les élargir, les allonger, les multiplier, là aussi. Mais en tout cas, il y a déjà des infrastructures qu'il faut simplement étendre. Le mot simplement n'est pas le bon mot, parce que tout ça est une question d'investissement, une question de place pratique matériellement. Le port de Dunkerque est très grand, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de place, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Et puis, ce sont des investissements qu'il faut que les collectivités et les gestionnaires des ports programment. Donc, il y a forcément un coût. En tout cas, ces ordonnances-là, citoyens, économie, sujet économique, contrôle aux frontières et mesures de l'article 3, je dirais qu'on a déjà un premier paquet de 4 grands blocs. Est-ce qu'il y aura 4 ordonnances? Qu'est-ce qu'il y en aura 10? Voilà. Mais on a déjà celles-ci qui sont, je dirais, absolument prioritaires. Le Conseil d'État, nous prévoyons de saisir le Conseil d'État. Il est déjà prévenu que nous saisirons de ces projets d'ordonnance, parce qu'il repasse au Conseil d'État début janvier. Donc, c'est notre travail de fin d'année. C'est une fois que vous aurez adopté, si vous le souhaitez, ce projet de loi, c'est de nous mettre au travail pendant les vacances de Noël pour peaufiner ces projets. Et nous espérons que le mois de janvier soit le mois, je dirais, de travail au Conseil d'État sur ces textes, et que fin janvier, nous aurons le paquet d'ordonnances, je dirais, prêt à être mis en œuvre. Alors là aussi, fin janvier, on aura aussi, là, je dirais, peut-être une indication supplémentaire sur l'état d'avancement du processus de ratification, et on pourra décider de commencer par telle ou telle ordonnance. En tout cas, celle sur les installations sera, à mon avis, la première, mais peut-être faudra-t-il envoyer aussi des signaux sur d'autres sujets, parce qu'il faudra commencer à préparer, ne serait-ce qu'à préparer, à informer les citoyens et les opérateurs. Donc ensuite, voilà, et là je suis au bout de mes connaissances, au sens je suis au bout de ce que je peux vous dire par rapport à ces délais de préparation, de publication, de mise en œuvre, et vous dire que aussi, et de façon très modeste, et moi j'assume complètement d'être complètement transparente avec vous, que nous avons tout prévu, nous avons pensé à tout, et que nous n'aurons pas besoin d'autre chose à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être qu'on en n'aura pas tout prévu. Peut-être qu'il faudra prendre une nouvelle ordonnance sur un sujet qu'on n'avait pas vu. Peut-être qu'on n'aura pas tout prévu dans notre habilitation et qu'on reviendra vous voir. Je ne sais pas. On sera dans une telle situation, comme vous l'avez dit, d'exception, notamment si en plus nous allons vers une perspective de sortie sans accord, que je pense que là, on est dans un monde, dans une logique de crise. Hein, donc, voilà. La question de la philosophie. Alors là, vous me posez une question philosophique, c'est pas mon fort, la philosophie. Les questions de mise en œuvre, le nombre de dossiers de citoyens, le nombre de contrôles, la manière de les mettre en œuvre. Encore une fois, là aussi, on est dans un monde inconnu. En tout cas, le nombre de dossiers de citoyens, par exemple, britanniques, que nous aurons à traiter, encore faut-il être sûr de connaître, d'être sûr du nombre de ressortissants britanniques qui vivent en France. Et là, nous ne le savons pas, j'allais dire, à quelques dizaines près. Il n'y a pas d'obligation de s'enregistrer, il n'y a pas d'obligation de se déclarer. Il y a des citoyens britanniques qui vivent en France depuis fort longtemps et qui n'ont jamais, je dirais, qui disposent d'une carte de sécurité sociale, d'un titre de séjour en bonne et due forme, mais qui n'ont pas forcément, pour leurs enfants, etc., effectué la même formalité à la préfecture. Bref, on n'est pas forcément très sûr du nombre. Donc on aura une première phase, et c'est la même chose du côté du Royaume-Uni, qui ne sait pas exactement combien il y a de ressortissants français au Royaume-Uni. Hein. Donc, le nombre, l'impact que tout cela va avoir sur
concrètement nos guichets de préfecture vers lesquels nous devrons diriger en tout état de cause ces ressortissants britanniques qui vivent en France. On le sait de façon un peu approximative, on a ces éléments. On sait qu'il y a environ 17 préfectures qui sont, je dirais, concernées majoritairement. Il y en a 7 d'entre elles, ah, c'est très bien, qui sont particulièrement exposées, je dirais. Voilà, dans certains départements, certaines régions françaises où il y a une concentration un peu plus forte. Et donc, on prévoit là aussi, sans doute, d'avoir plutôt une logique décentralisée, parce qu'on ne veut pas obliger tous ces ressortissants britanniques à venir à Paris pour leur démarche. On préfère une relation de proximité. Mais en tout cas, là, c'est notre conception à l'heure où je vous parle, hein, mais peut-être qu'on pourra évoluer là-dessus. Et en tout état de cause, il faudra, comme certains de nos partenaires voisins vont le faire, on donnera évidemment un certain délai à ces ressortissants britanniques pour effectuer leur démarche. On ne va pas les obliger le 30 au matin à se mettre dans la file étranger devant la préfecture. Alors, il ne fait pas très froid encore au mois de mars, mais enfin, ce ne serait quand même pas une situation que l'on souhaite. Ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite. Donc, il y aura un délai de mise en conformité qui sera donné au titre d'une période transitoire pendant laquelle ils seront supposés être et vivre et séjourner sur le territoire de français dans des conditions régulières. Alors que, en théorie, en cas de non-accord, dès le 30 mars... D'un point de vue juridique, ils sont en situation irrégulière, hein, du point de vue juridique, encore une fois. Donc, on a des approximations sur des volumes, environ 150 000, 200 000 ressortissants britanniques en France, mais là, vraiment, très difficile de savoir plus précisément. On sait, en revanche, par rapport à ces ressortissants qu'on a identifiés là où ils vivent, les préfectures qui vont être sollicitées. Le directeur général des douanes me disait récemment qu'il y a des petits aéroports en France où il y a beaucoup de trafic avec le Royaume-Uni, ou Périgueux ou Bergerac, dans lesquels il y a très peu de contrôle douanier par définition, enfin, puisque a priori il n'y a pas besoin de douanier dans ce genre d'aéroport. Et tout cela, enfin, ce changement va nécessiter finalement, non pas qu'on renforce considérablement les contrôles douaniers dans ces petits aéroports, il n'y a aucune raison de le faire de façon massive, mais en tout cas, c'est un point d'attention. Donc il y a des endroits qui vont être à nouveau, je dirais, des petites préfectures qui vont être à nouveau sollicitées beaucoup plus qu'aujourd'hui par ce type de procédure. Donc il est prévu là aussi que le ministère de l'Intérieur mette des moyens supplémentaires de façon temporaire, de façon ad hoc, durant une certaine période, pour permettre le temps nécessaire à la régularisation, si je puis dire, du dossier. La question de la réciprocité, ça c'est un sujet là aussi philosophique, mais c'est surtout un sujet, je dirais, normal dans les relations internationales, avec un partenaire avec lequel, dans un monde où il n'y aurait pas d'accord de retrait en vigueur, nous aurions à négocier sur une base bilatérale un certain nombre de choses, et certainement dans ce domaine, je dirais, du statut des personnes, il y aura matière à négocier et à voir ce que font nos partenaires pour aussi déterminer ce que nous devons faire. Si on envisage toutes les options, c'est pas forcément pour pouvoir choisir les pires, c'est parce qu'on est obligé d'envisager toutes les options. Se dire que si la situation, la protection de nos ressortissants français à l'étranger, c'est une priorité générale, je dirais, de notre politique et de la politique du ministère des Affaires étrangères, c'est majeur. Donc on y accorde une attention, j'allais dire, à la hauteur de l'enjeu. C'est comme la protection des intérêts de la France, c'est la protection des intérêts des ressortissants français. Donc l'idée, c'est de ne pas en faire un... pas en faire des objets de chantage ou de pression, mais simplement de regarder ce qui se fait de l'autre côté de la Manche en la matière. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien de précis sur le sujet. Il y a des intentions. Et donc, tant qu'il n'y a que des intentions, je dirais, nous envisageons aussi et nous gardons toutes les marges et toutes les hypothèses pour protéger, encore une fois, leurs intérêts. L'idée, ce n'est pas d'en arriver à adopter des mesures qui constitueraient une dégradation du statut des ressortissants britanniques en France.
Absolument. Enfin, ces ressortissants vivent pour la plupart depuis fort longtemps en France, ont des attachements très forts à notre pays. Il n'est absolument pas question, par principe, de commencer à dire que nous allons dégrader leur situation. Ce n'est pas du tout notre objectif. Simplement, on veut simplement s'assurer, nous assurer que de l'autre côté de la Manche, là encore, je crois que les autorités, il n'est pas du tout dans l'intention des autorités britanniques de faire la même chose avec, je dirais, et d'avoir la même mauvaise intention avec les ressortissants de l'Union européenne. Mais en tout cas, dans l'état actuel, je dirais, de la relation et de l'équilibre général de notre relation avec notre partenaire britannique, avec lequel, j'allais dire, contrairement peut-être à ce que nous faisons avec d'autres partenaires, il ne s'agit pas de resserrer des liens. Il s'agit malheureusement, c'est leur choix, de les distendre. Nous sommes obligés d'avoir ce type de réaction. Peut-être sur les... Pardon, j'ai perdu la suite des questions. La fonction publique. Alors, la fonction publique, c'est un... Vraiment, rapidement, c'est... Voilà. La fonction publique, c'est un sujet à la fois simple et compliqué. Nous avons un droit de la fonction publique français qui conditionne pour un certain nombre de corps l'appartenance à la fonction publique à la nationalité française ou la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Nous avons par contre, et ça peut intéresser beaucoup de ressortissants britanniques qui sont fonctionnaires, un certain nombre de corps qui restent ouverts à des ressortissants de pays tiers. Donc, je dirais donc il y a deux catégories de fonctionnaires britanniques en France. Il y a ceux qui appartiennent à des corps pour lesquels il est possible de provenir d'un État tiers, et puis il y a les autres. Ceux pour lesquels il est possible de provenir d'un État tiers, c'est par exemple les maîtres de conférences, les professeurs d'université, les chargés de recherche, les directeurs de recherche. Et lorsque des Britanniques seront et occupent ce type de fonction, ou occupent déjà ce type de fonction, ils pourront rester fonctionnaires. Donc je dirais que c'est question de... Parce que des statuts particuliers prévoient. Pour les autres, il y a deux solutions. Soit nous demandons à ces ressortissants britanniques devenus ressortissants de pays tiers, si c'est leur choix, de demander de la nationalité française pour pouvoir continuer à bénéficier de ce statut, soit nous leur proposons un autre cadre de relation, qui est un cadre contractuel, qui permet là aussi de pouvoir avoir une relation contractuelle avec des ressortissants de pays tiers. On peut aussi choisir de les conserver en l'état dans la fonction publique française, sous les conditions de statut, c'est aussi une option. Simplement, et c'est l'option d'ailleurs, c'est la solution qui figure dans le projet d'accord de retrait, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crois, notre idée, c'est à ce stade, dans ce contexte particulier d'ordonnance prise dans un cadre, je dirais, un peu volatile et un peu incertain, c'est de ne pas donner des signaux que nous adopterions une ordonnance qui viserait à faire un copier-coller de ce qui figure dans l'accord de retrait. Au motif que ça pourrait être une incitation, si nous le faisions dans plusieurs autres domaines, pour les Britanniques, finalement, de ne pas signer et de ratifier l'accord de retrait, mais de plutôt prendre l'option d'un no deal, même si l'option d'un no deal est quand même a des conséquences bien très importantes, mais enfin, ça peut être un choix. Et donc, l'idée, c'est de ne pas donner un signal de préservation d'un statut, qui est donc une préservation de quelque chose de positif et de favorable, dans une ordonnance qui n'a pas cette vocation-là. Voilà. Donc, je comprends que on a aussi l'option de préserver le statut pour un certain temps, pendant une période de transition particulière, le temps de trouver une autre solution pour préserver leur maintien dans la fonction publique ou pour obtenir la nationalité française. On a plusieurs options sur la table, mais en tout cas, celle du statu quo ne nous paraît pas aujourd'hui, en tout cas, ne nous paraissait pas aujourd'hui dans les débats préliminaires et que nous avons eus jusqu'à présent, comme étant la meilleure, encore une fois, parce qu'il s'agit simplement de faire finalement une dérogation à l'esprit général et à la philosophie des générales dans laquelle nous nous sommes placés en vous proposant ce projet de loi.
Le coût du Brexit, il est... j'aimerais beaucoup avoir ce type de travail sous les yeux. C'est le coût de la non-Europe. Je ne sais pas si c'est faisable, en fait, matériellement, de faire un travail sérieux sur le coût de la non-Europe. Mais c'est ça. Ça a été fait. Hein. Ça a été fait. Ça, a été fait. Ça mériterait peut-être d'être un peu actualisé, peut-être, mais ça a été fait. Mais en tout cas, le coût et les conséquences directes en cas de sortie sans accord, ça serait pour notre PSR, pour notre prélèvement sur recettes, pour notre contribution au budget de l'Europe, ça on l'a calculé. Il est sous votre contrôle de mes collègues, je crois qu'il est... Ça, enfin, c'est, pour nous, c'est 1,8 milliard de plus par rapport à notre contribution qui est en moyenne, hein, de 20 milliards, enfin de 20 milliards par an. Et ça couvre avril, décembre. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est une somme assez, M. Darmanin l'a calculé, assez tôt, ce qui est une somme, enfin, c'est un ressaut de notre PSR qui n'est pas négligeable. Donc, pour nous, le coût direct du no deal, il est quand même tangible et excessivement tangible. Écoutez, moi, je ne désespère pas d'avoir des études sur le coût du Brexit, sur les conséquences du Brexit, sur la croissance, sur tout ce qui est, sur les aspects macro. De tout ça. On en a déjà eu quelques-uns, merci beaucoup, mais très honnêtement, c'est quand même des choses qui, sur lesquelles on travaille, mais actuellement, moi, je concentre plutôt le travail des administrations sur la préparation, pour être tout à fait honnête. La préparation matérielle. Voilà, pardon, j'ai été trop longue.